Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on commence une nouvelle semaine, une nouvelle émission comme chaque soir. Je suis heureux d'être là avec vous ce soir à 20h, 22h bien sûr, et à votre disposition pour répondre à toute question, bien sûr, qui vous passerait par la tête. Vous savez qu'il y a des petites restrictions, je les rappellerai tout à l'heure. Presque toutes les questions vous pourrez poser à 95%. Et naturellement, en direct, soit ici avec moi, vous faites le 0901-901-993, suivi du 1 si vous voulez être avec moi en direct. Si vous voulez être avec quelqu'un de l'arrière, vous dites non, moi le direct, j'aime pas trop, il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, ça les intimide, je vous assure qu'il se passe rien, tout se passe bien, vous nous connaissez. Mais si malgré tout, vous avez envie d'aller à l'arrière, avec un de nos collègues qui sont là, vous voyez en dessous de mon doigt, là-dessous, eh bien, vous faites le 2 et ensuite vous composez leur code PIN respectif qui est en dessous, si naturellement vous voyez. Quand vous voulez les choisir, enfin composer leur code PIN, qu'ils sont en vert, ça veut dire c'est marqué, ils sont libres. Si par contre ils sont en jaune-orange, ça veut dire qu'ils sont occupés. Cela ne sert à rien de faire leur code PIN, parce que ça vous dira, votre voyant préféré est actuellement occupé, ou choisissez quelqu'un d'autre, ou vous pouvez rappeler plus tard. Voilà, donc vous attendez. Et puis aussi, naturellement, par logique, si il n'y a pas la personne que vous dites « Tiens, moi ce soir, j'aimerais parler avec tel et tel, mais je ne le vois pas. » Alors, soit ils sont plus que 8, il est à l'arrière et il va apparaître parce qu'on n'arrive pas. S'ils sont 12, on peut en mettre que 8 visibles, comme vous voyez en bas de votre écran. Les 4 autres sont à l'arrière, mais il y a un tournus qui se fait. Il y en a un ou deux qui disparaissent de devant, il y en a deux, un ou deux derrière qui apparaissent. Soit c'est ça. Ou soit simplement le ou la voyante ou le voyant ne sont pas connectés. On n'est pas tous connectés tous les soirs, bien sûr. Il y a des soirs où on est peut-être occupé. Je suis moi-même pas connecté tous les soirs. Donc voilà, ces deux derniers jours, je n'étais pas connecté. Je le serai beaucoup plus cette semaine. J'espère que vous avez bien repris, tous bien repris. Pour les enfants, le chemin de l'école, ça fait déjà une ou deux semaines. Pour ceux qui seraient en vacances ou qui ont été en vacances, je pense que vous avez déjà repris aussi depuis très peu, mais quelques semaines. Là, pas le chemin de l'école, mais le chemin de votre travail, de votre bureau, de votre job habituel, bien sûr, à moins que vous en ayez plusieurs. Et puis surtout, aussi de reprendre les habitudes, de reprendre le petit train-train quotidien, qui, j'espère, nous amènera à une bonne année. J'espère, en tout cas, une bonne fin d'année, avec une année 2025, j'en suis sûr, excellente. Voilà, ça va pas si mal que ça, malgré, je ne vais pas rentrer dans ce qui se passe en ce moment, il y a de nouveau des Covid, des machins qui traînent, mais il y en a assez qui parlent de ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Soyez juste prudents. Lavez-vous toujours bien les mains. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas abandonné, même quand on nous a dit « c'est bon, vous pouvez enlever les masques, il n'y a plus de danger ». Alors, j'ai enlevé le masque, c'est sûr, parce que se promener avec un masque, il y en a qui en portent, j'ai vu. Chacun est libre, pourquoi pas. Moi, ça me gêne pas mal. Dès que je peux, dès que j'ai pu, je l'ai enlevé. Mais par contre, je reste très prudent quant à aux mains et quant à l'hygiène et à les choses comme ça. Donc je reste très 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 prudent. J'ai toujours un flacon avec du désinfectant dans ma poche. Si je touche une barre de trolley, je serre la main. Alors c'est pas de la maniaquerie, la main de quelqu'un, où je touche des endroits où tout le monde pose ses mains. Je me désinfecte vite fait. Ça évite beaucoup de problèmes. Et sachez-le, juste pour... Je ne suis pas là pour faire l'apanage et de mettre en avant les désinfectants. Mais depuis que je fais ça, moins de grippe, moins de rhume, moins de petites choses des fois qu'on chopait ou des choses comme ça. Moi, je trouve que finalement, c'est peut-être une chose qu'on aurait dû adopter depuis très longtemps. C'est vrai qu'on a l'habitude de se laver les mains sous le robinet. Mais si vous lavez le matin, vous partez, vous mangez à midi, vous lavez les mains tout l'après-midi, vous touchez des papiers, une machine, il n'y a plus de machine à écrire, le clavier, que vous serrez la main d'un collègue et vous ne vous lavez le soir quand vous douchez ou lorsque vous lavez les mains en rentrant à la maison,
entre 14h et 18h, vous avez quitté le travail, vous vous êtes touché 46 000 fois le nez, la bouche, les oreilles. Donc voilà, donc il faut... Moi, je suis prudent. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je continue à être prudent de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas que cette maladie dont on a parlé, il y en a plein d'autres, les rhumes. En ce moment, on n'a pas... On entend parler qu'il y a des... Je ne suis pas médecin, mais c'est ce qui se dit dans la presse et dans les médias. Il y a une épidémie de coqueluche en Suisse. Il faut faire attention, c'est tout. Il faut bien se désinfecter les mains. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on va l'attraper ou quoi que ce soit. Et puis, c'est, paraît-il, très dangereux, plutôt dangereux pour les enfants et les nourrissons ou les femmes enceintes. Les adultes, c'est pas que on peut pas l'attraper, mais ça nous prend moins fort. Mais c'est une maladie. J'ai eu des gens qui ont eu ça il y a quelques années. C'est pas facile. Hein. Donc si on peut éviter, et puis en se lavant les mains, même si on l'attrape de quelqu'un, ben, on empêche de le transmettre plus loin. Donc c'est surtout ça. Il faut penser aux autres aussi. C'est pas pour soi-même. C'est aussi quoi. Si on attrape quelque chose, on serre la main à quelqu'un d'autre. Salut, comment tu vas? On se fait la bise et hop, on lui a passé. Donc voilà, restons prudents. Bon, mis à part ça, on va reprendre le cours de notre jeu. Donc soyons, j'espère que... Ah, je tousse, hein, mais je ne suis pas malade, mais c'est parce que ça, c'est toujours ma voix. Vous savez que... Voilà, ça c'est le fond de la gorge, voilà. Vous savez que cette émission est faite pour vous. Vous pouvez poser vos questions au direct, comme je disais, ou à l'arrière. Ou bien vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard? Ah, j'entendais du bruit. Alors, vous pouvez vous inscrire et puis vous pouvez aussi participer au concours. Hein, vous savez, ce fameux notre concours TVM3 qui vous permet quoi? Eh bien, de, si vous êtes tiré au sort, d'être gratifié d'une belle récompense qui est une consultation gratuite. Vous ne payerez rien. Pour la consultation, vous ne paierez que l'inscription qui coûte un franc. Que ce soit par SMS ou que ce soit par courrier, vous devez mettre un timbre, donc ça vous coûte quelque chose. Mais c'est juste le fait, décidément, juste le fait de vous inscrire. Voilà. C'est vrai que c'est temps, j'ai des petits soucis de gorge, mais c'est pas... C'est des trucs, comme on dit, qui remontent, mais c'est pas une crève, ni de la grippe, ni de la fièvre, ni quoi que ce soit. Bon. Alors, pour aller de l'avant, inscrivez-vous à ce concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700. Un franc par SMS envoyé, comme j'ai dit. Et puis, ça vous permet... Je vais éteindre la clim, quand ça fait un peu froid. Voilà, il faut quand même être prudent. Alors, donc, TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi passer, attention, si vous êtes tiré au sort, vous ne pourrez passer que en direct ce soir avec moi ou un de ces prochains soirs avec mes collègues. Si vous voulez parler plus longtemps et puis que vous n'êtes pas tiré au sort, eh bien, nous sommes aussi disponibles à l'arrière. Moi, ce soir, pas, puisque je suis devant vous. Je ne peux pas. Décidément, ma voix se taille. Au revoir. Se casse. Reste ici. Donc, ma voix restera là. Je vais essayer. Et donc, si vous voulez parler avec moi, eh bien, vous faites le 1. Vous voulez parler avec mes collègues à l'arrière. Vous faites le 2. Sinon, le 3. Et puis, comme je viens de vous le dire, pensez au concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 ou par courrier à concours TVM3 par les mots d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Vous envoyez une carte postale ou une simple feuille où vous marquez votre prénom, on n'a besoin que du prénom, on n'a pas besoin de votre nom de famille, ni adresse, ni réseau, et un numéro, là il faut mettre un numéro de téléphone. Parce que si c'est par courrier, on ne peut pas avoir votre numéro de téléphone comme ça. Voilà, si vous le faites par Internet, nous l'avons automatiquement, mais sachez que nous ne les gardons pas, on les met voilà, de côté. Bon, voilà, vous savez tout ou presque tout par rapport au fait de participer à cette émission. Naturellement,
vous pouvez appeler en direct, hein, 0901-901-993, comme c'est indiqué en bas à gauche de votre écran, et puis vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui va vous accueillir, qui va vous demander votre prénom et votre date de naissance, et qui ensuite vous fera suivre ici directement sur le plateau. Moi, je verrai le prénom que vous avez donné à la personne et votre date de naissance. Attention, comme je dis chaque fois, donnez bien le vrai. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on donne leur prénom. Si vous appelez, je vais vous dire pour moi, Bruno, dites Bruno. Et moi, quand je verrai votre prénom, je vous le demanderai. Est-ce que je peux vous appeler par votre vrai prénom ou est-ce que je le change? Ah non, non, je ne veux pas qu'on dise mon prénom. Ok. Balthazar, Boris, qu'est-ce qu'il y a par B? Bob. Voilà, je vous changerai le prénom, ne vous inquiétez pas. Et c'est, ou bien, si vous avez, vous, une idée, je ne suis pas contre, vous dites, bon, moi, j'aime bien le prénom de Boris, bah, appelez-moi Boris. Alors, je vous appellerai Boris, mais moi, il faut que je voie que vous vous appelez Bruno. Ça, je dois, pour mon ressenti médiumnitique. C'est comme ça, beaucoup de gens, j'ai même des journalistes qui m'ont eu demandé, pourquoi vous avez besoin du prénom? Parce qu'en fait, mon ressenti va partir sur ce prénom, la voix que je vais entendre, et votre date de naissance. C'est une sorte d'amalgame des trois, quatre choses qui fait que je vais pouvoir ressentir des choses. Si vous dites Bruno, puis que vous, en fait, vous appelez Alex, moi, je vais partir sur Bruno et le ressenti que j'ai sur Bruno. Je ne partirai pas sur Alex. Et ça, ça ne va pas tout fausser, mais ça peut m'induire dans des fausses pistes et peut-être être à côté de la plaque. Donc, ne faites pas. Parce que je me souviens que l'autre fois, une personne a dit « Ah, mais non, je ne veux pas dire mon prénom. » Je dis « Mais il faut quand même me le donner. » Alors, on ne va pas le dire à l'antenne, ne vous inquiétez pas, mais moi, j'en ai besoin. Voilà, c'est comme ça. Il y en a, j'en connais, qui ont besoin de rien. Ni de date de naissance, ni de, comment dirais-je, ni de prénom. Bon, ok, pourquoi pas, hein, chacun peut, moi je trouve ça bien, il y a peut-être des gens qui fonctionnent qu'avec la vibration de la voix, je sais que c'est possible, je le conçois, et moi j'ai besoin d'associer ces deux, trois choses si vous voulez vraiment que je ressente des choses, et puis surtout, si vous me donnez un faux nom, ben, je vais vous dire des choses peut-être pas forcément justes, qui vous concerne pas. Pardon, excusez-moi vraiment. Et puis, je pense que quand on téléphone à un médium, ah oui, ça c'est clair, si. Quand on téléphone à un médium ou qu'on téléphone à quelqu'un ou qu'on veut voir un médium, c'est qu'on veut avoir des réponses. On veut pas qu'on nous dise blanc pour noir ou qu'on vous dise autre chose. Donc si c'est, voilà, après, si ça vous en fichez, alors c'est vous qui savez. Bon. Le cadre est posé, vous avez tout devant vous. Parlons encore un petit peu de notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop où vous pouvez trouver la boutique, donc le shop où il y a plein d'objets, on en parlera tout à l'heure. Les consultants, vous pouvez aller voir les consultants comme vous avez en bas de votre écran, plus ceux qui sont à l'arrière. Si vous voulez savoir des choses sur eux ou sur nous, vous cliquez sur la photo, il y a un petit texte qui vous expliquera comment la personne travaille, comment se déroule, par quel moyen la personne travaille. Et ainsi, vous pourrez voir un petit peu des fois, tiens, ce monsieur ou cette dame travaille avec des runes. Tiens, j'aimerais bien essayer ça. Ça vaut la peine d'aller regarder. Parce que des fois, moi, je suis d'une nature assez curieuse, même très curieuse. Quand je vois, j'ai été dans des salons. Une fois, je vous avais expliqué déjà, je crois, j'avais vu quelqu'un qui travaillait avec la boule de cristal. Et c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors, j'ai été le voir, cette personne, un monsieur, qui, j'espère pas pour lui, mais il était déjà pas mal âgé. Moi, j'étais plus jeune, dans la trente-quarantaine. Et je lui ai dit, mais salut, parce que dans ce monde, on se tutoie tous. « Ah, c'est génial, tu fais avec la boule de cristal, tu veux essayer ?» Je dis « Je peux, oui. Bah, » Alors, c'est un moment creux dans l'après-midi où on n'avait pas encore beaucoup de monde. Et il m'a fait un petit topo, il m'a expliqué, il a regardé certaines choses. Moi, j'ai trouvé ça génial, moi j'aime bien découvrir des choses. Donc, allez voir
sur le site en allant sur la photo. Ça vous dira telle personne travaille avec telle carte ou avec tel objet ou comme ça. Et puis ça vous permet comme ça, des fois, si vous le voulez, bien sûr. Après, vous avez vos médiums préférés, faites avec qui vous voulez, bien sûr. Hein. Ah ben, en voilà un de personnage. Ah ben, mon préféré, c'est 007. Bonsoir. Ah, je connais pas, c'est qui? Hein? Ah, je sais pas, c'est désormais Bruno. Non, mais parce que moi, je suis plus 007. Maintenant, je suis 008. Il y a la TVA qui s'est mise avec. Ah oui. Ah bah oui, ça augmente hein, chaque fois. Hein, qu'est-ce que vous voulez hein. Ah oui. Alors, je suis en train vous allez de... Bien? Et vous, comment ça va? Mais ça va, vous avez passé un bon été. Oui, c'est vrai qu'on a eu... Moi, je trouve qu'on a eu... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il fait trop chaud, mais gna, mais... » Moi, je trouve qu'on a eu un très, très, très bel été. Et j'espère qu'il n'est pas fini. Voilà, surtout. Ah ouais. Et vous, qu'est-ce, l'été qu'est-ce que vous avez fait cet été, vous? Oh, pas grand-chose. J'ai vu un médium nommé Bruno à Lausanne pour se voir, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. Ah d'accord, il va bien? Il va bien, bon, voilà. Donc, avec madame, donc, d'accord. Tout a bien été, puis je suis resté par là. Quoi. Alors c'est parfait, mais vous n'êtes pas dans le coin aujourd'hui, vous êtes chez vous. Non, mais mercredi, je suis dans le coin si jamais. D'accord, ok, bon, vous m'appelez si jamais, mercredi ça peut jouer, on peut se boire un verre. Ok, mon cher Zod, bienvenue pour ce soir déjà, et qu'est-ce que je peux faire Merci. Pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'en ai plusieurs, mais allons-y. Là, aujourd'hui, j'ai mis fin donc à la relation avec la personne M. Oui. Ouais. Et je voudrais voir ce que vous voyez vous par vos cartes par rapport à ça. Donc, vous avez mis fin aujourd'hui même. Aujourd'hui, vous avez mis fin, vous avez dit. Ouais, exact. D'accord. C'est vous qui avez décidé? C'est lui? C'est tous les deux? C'est moi, parce que comme disent les jeunes, il m'a saoulé. Il vous a énervé. Voilà. D'accord. Ok, donc votre question, il faut qu'elle soit un peu plus précise, c'est de savoir si c'est vraiment fini, s'il va revenir ou pas, ou que c'est un peu ça que vous voulez savoir? Ouais, c'est comment va se dérouler la suite, voir si... Et lui, comment il le prend et puis qu'est-ce qu'il va avoir au bout, quoi, comment il va réagir en fait, c'est ça. Voilà. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, mon cher. Le 4, s'il vous plaît. D'accord, 2, 3, 4. Mais ça faisait, comme on dit, ça faisait un moment que ça n'allait pas bien, hein, qu'il y avait des... Ouais, ouais. C'est pas récent, hein, votre... Ouais. Non. C'est pas qu'il y a eu une... Il m'a fait la misère aujourd'hui, donc c'est bon. D'accord. Bon, des fois... Il faut des fois remettre les choses en place, des fois. Écoutez, les quatre... Mettre l'église au milieu du village, comme vous dites. Exactement. Comme moi, je dis comme le nez au milieu de la figure. Moi, je dirais que, c'est vrai qu'on voit un petit peu cette dispute. Moi, sincèrement, je vois pas une fin. Je vois pas une fin en soi. Alors, rien n'est jamais fini, on va dire, hein. Mais les cartes sembleraient plutôt dire que c'est effectivement peut-être un petit... Depuis que vous lui avez dit que c'était fini ou que vous avez rompu, etc., est-ce que cette personne a essayé de vous recontacter ou pas? Non, du tout. D'accord. Moi, je vois à nouveau un contact dans les prochains jours. Soit, alors, comment dirais-je? Ce que je ressens, c'est pas forcément qu'il va
vous courir après, mais il va trouver comme une excuse, parce que, ah, mais il faut qu'on règle ci, il faut qu'on voie ça. Une excuse Ouais, pour le quelconque, chien, quoi. ou peut-être, voilà, j'y ai pensé, pour pouvoir vous reparler. Moi, je pense que c'est un, voilà, c'est un moment comme ça, comme dans tout couple, bien sûr, qu'il y a ce froid que vous êtes énervé, et puis voilà. Puis ce que je vois, c'est qu'effectivement, ben, comme nous tous, quand on s'énerve, quand on se fâche, ça m'arrive aussi, hein, et ben des fois, une, deux, quelques heures après, on se dit, ah, peut-être j'étais trop loin, j'aurais peut-être pas dû, ah, on aurait mieux fait de discuter. Moi, je pense que les choses. Alors, attention, je ne vais pas dire que vous allez repartir pour 20 ans de relation, ça, je ne peux pas savoir. Mais c'est Ouais. pas, c'est pour moi, ça me dit que ce n'est pas fini pour l'instant. Voilà. Mais Okay. des fois, comme j'ai dit, un petit break, un petit, comment dire, un petit moment où chacun réfléchit de son côté, ça peut faire que du bien. C'est ce que je ressens. Ah, ok. Il faut C'est remettre les parce idées en que vous, place. Oui, dites-moi. après, par rapport au chien, vous pensez quoi de ça, si on arrive à... Est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord une fois pour toutes par rapport à l'éducation, par rapport aux finances de Milou, par rapport à tout ça? Il a acquis le chien. Alors, officiellement, il est à moi parce que il habite la Gruyère Oui. et officieusement, il est à lui parce que c'est lui qui l'a payé. Donc il est aux deux, quelque part. Il est aux deux, D'accord. Mais votre question, est-ce que ça serait plus de savoir si vous allez vous entendre sur le chien, ça c'est une question, ou bien si vous allez pouvoir le garder sans qu'il fasse d'histoire, c'est quoi la question que vous voulez savoir exactement? c'est est-ce qu'on va se mettre d'accord vraiment sur les termes de comment on veut éduquer notre chien et puis Et puis, et financer financièrement, le d'accord. chien? D'accord. Moi, je dirais une chose que je me permets de dire, il ne faut pas que le chien soit l'otage des deux, en fait. Hein. Parce que le pauvre chien, si je peux me permettre, ils ne se rendent peut-être même pas compte, lui, ce n'est pas de sa faute qu'il y ait ces histoires Non. entre vous. Mais je veux dire, il ne faut pas que le chien devienne l'otage de votre mésentente par rapport à lui, en fait. Hein. Parce que voilà. Ah, non, moi je crois que là-dessus, je crois que ça va parce qu'il est avec moi, vous me connaissez, donc Ouais. voilà, donc je crois qu'il est aux petits soins avec moi. Voilà, faut pas en faire des hot dogs, hein. C'est, faut pas faire ça. Non. Venez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je plaisante, bien sûr. Le 2, s'il vous plaît. Oui. Je plaisante, vous savez comment j'aime les animaux, alors Oui, mon oui. Dieu, mais ça me fait. Comme j'ai souvent dit, je respecte. C'est dur ce que je vais dire, mais des fois je respecte plus un animal qu'un être humain. Parce Vous que les. savez ce qu'il dit Coluche? Non? Oui, j'ai Quand il entendu. y a, quand, quand Oui? y a un chien qui se promène, et il faut toujours regarder, et puis il faut pas. Ça dépend comment il réagit le chien, mais il faut jamais regarder, même s'il est méchant le chien, c'est pas ça qui porte. C'est celui-là qui est au bout de la liste qu'il faut regarder. Oui, Ça, c'est oui. lui qui fait l'éducation du chien. Absolument, absolument. Le chien ou les animaux ou les chats sont comme on les éduque, effectivement. Hein. Et puis, si on est méchant avec eux, ben, ils vont griffer ou ils vont vouloir mordre. Donc, c'est vrai que c'est nous. Écoutez, c'est vrai que ça ne va pas être facile de vous entendre. Hein. De vous entendre, de vous mettre d'accord. On voit qu'il y a des petites difficultés. Chacun tire de son côté. L'un dit oui, l'autre dit non. Faut payer, l'autre veut pas. Après, il dit moi je fais ci, puis après vous, c'est peut-être vous qui voulez pas. Mais on voit quand même, et ça qui est bien, la carte bleue qui est en bas, mais quand même tout le monde d'accord. À un certain moment, on dit bon, ok, on arrête nos conneries. Maintenant, Ça va on se fait comme débloquer. ça. Et on trouve un terrain d'entente. Je parle par rapport à l'animal, bien sûr. Hein. Moi, je vois pas Non. de. Je pense que ça va aller, mais ça va pas être facile parce qu'actuellement, déjà, et c'est ce que vous m'avez dit un petit peu tout à l'heure, vous êtes un petit peu, vous campez chacun sur vos positions. Là, décidément,
Oui, vous parlez d'un chien, moi j'ai un chat dans la gorge, c'est temps. Miaou, 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 allez, casse-toi, miaou, parce que là, je ne sors pas à la télé. Non, vous me faites plutôt penser à notre cher syndic de Lausanne. Ah, il avait aussi un chat dans la gorge, lui. Ouais, souvent. Alors, mais décidément, ne citons pas de nom, s'il vous plaît. Bon, alors, moi, je dirais... Vous savez, c'est fou, hein. Il faut que j'aille voir s'il existe quelque chose pour ça. C'est temps, je suis pas mal embêté avec ça. Messieurs, dames, si vous avez des petits trucs de grand-mère pour faire passer ça, dites-le-moi. Bon, je sais, le thé chaud... D'un moment, c'est du miel. C'est oui, du miel avec du thé chaud. Le miel, le thé... Mais j'ai pas pris foi, c'est comme ça, c'est ma gorge qui... Bon, bref. Alors... Ouais, voyez, mais c'est quand même bon. Ouais, alors, sachez que vous allez trouver un terrain d'entente, effectivement. Il faut encore bien discuter. Ça ne sera peut-être pas tout de suite. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Ouais. Des fois, il faut un peu de temps pour que les choses... On arrive à un accord. Mais ça devrait aller, heureusement, finalement, dans le bon chemin. Et surtout pour l'animal. Parce que, voilà. Vous savez, c'est comme un enfant. Si on se le dispute, l'un le veut, l'autre le veut. L'autre, après, l'autre le veut pas, l'autre... Et puis, où l'enfant... Mais là, c'est pas un enfant, c'est un animal. Il est ballotté. Et puis, vous savez, moi, je suis sûr d'une chose. Les animaux, ils sont très sensibles aussi, comme nous. Même des fois plus. Oui. Et même des fois plus, mais ils ne le montrent pas forcément. Et je pense que peut-être que cette mésentente entre vous, et surtout si vous... Parce que, vous savez, on parle devant lui, oui, mais qui c'est qui va garder le chien, qui c'est qui va pas payer, qui c'est qui va manger. Le chien, il voit qu'il y a... Alors, il ne sait peut-être pas quoi exactement, mais il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je pense que... Voilà, donc il faut éviter ça le plus possible. On ne peut pas toujours. Mais bon, vous allez trouver un terrain d'entente. C'est ça qui me plaît dans ce que j'ai vu dans le jeu. Voilà. Autre chose encore ? Non, tant mieux alors. Ou pas. J'ai en train de réfléchir. Réchefflisser. Oui. Et côté énergie, pour moi, comment vous voyez que ça se passe ? Les énergies. Ah, mais ça va mieux. Le minou, il est parti. Il était mangé, il avait faim, c'est pour ça. Alors, énergie pour le Zodz. Général ou par rapport aux soucis que vous avez eus ? Général. Général. Minou, d'accord. L'espresso. Quel chiffre ? Le 3, s'il vous plaît. D'accord. Minou. Milou, viens. Allez, Milou, viens ici maintenant. Viens écouter Bruno à la télé. Viens, allez. Voilà, moi aussi. Il est sur la terrasse là avec le chat. Milou. C'est joli ce nom de Milou. C'est toujours, comme j'ai dit, il me fait toujours penser à Tintin. Tintin et Milou. Alors. Tac. Alors, il faut... Oui, ça va. C'est un peu normal ce qui sort là. Avec toutes ces histoires, avec cette personne, il y a un petit peu... Enfin, pas un petit peu, il y a le moral qui est touché. Parce que je pense que ça vous fiche en bas moralement aussi, naturellement, tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un petit peu de ça que ça parle, effectivement. Mais encore une fois, ça parle que ça... Alors, je ne peux pas dire ça ira mieux, et puis plus jamais rien. Ça ira mieux, ça ira moins bien, ça ira mieux. Je vois pas mal de... En haut, en bas, donc ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux, ça va un petit peu moins bien. Ouais, donc c'est pas mal ce qu'on appelle des moments bien et des moments moins bien. Donc c'est pas le dernier moment moins bien. Donc là, ça ne peut, puisque ça va pas bien, ça ne peut aller que bien. Mais il faut savoir qu'après ça, il y aura de nouveau peut-être des tiraillements, des choses comme ça. Mais si je parle maintenant de ce qu'on appelle des énergies générales, alors effectivement, la santé, ça parle surtout du moral. Et puis, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, je vais voir si j'ai une réponse. Ouais, c'est beaucoup ce qu'on appelle les rapports humains, mais peut-être pas qu'avec la personne, avec de la famille ou comme ça. C'est un petit peu dur de discuter avec les gens ou bien ça va ?
Je parle de. Non, ça va. Je parle peut-être de parents ou de frères, ou je parle pas des gens ou des copains comme ça, je parle plutôt des gens proches, proches. Non, je crois que Ça ça va. va? J'ai eu ma maman qui est venue, donc ça va. On a D'accord. bien parlé. Avec D'accord. le frangin, ça va toujours bien. D'accord. Alors c'est Mais peut-être. il y a toujours avec le papa, il y a toujours ces tensions que vous connaissez avec le papa puis la belle-mère, mais Oui. voilà. Alors c'est peut-être de ça. Alors, peut-être que ça. Malheureusement, ça peut-être ça, comment dirais-je, ce que je ressens aussi, ouais, ça me parle pas mal. Ça, je voudrais pas mettre, comment dire, de être un oiseau de mauvais augure, mais ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir des petites bisbilles familiales dans ces prochains temps aussi, hein. Donc sachez-le. Voilà. Mais Ah, pas des grosses, d'accord. c'est des petits trucs, des petites critiques, et puis ça Ah. va pas vous plaire, et puis voilà. Mais rien de grave. Il n'y a pas de rupture familiale, tout ça, mais ça peut arriver, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que ça sortait comme ça, effectivement. D'accord. Voilà, mon cher, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a fait le Ah. tour? Ou pas? Oui, on a fait. Oui, je crois qu'on a fait gentiment le tour. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Ouais, d'accord. Et puis, Et... si vous venez mercredi ou un de ces prochains jours, dites-le nous, on ira se boire un café. D'accord? Si vous voulez, Ouais, ça marche. puisqu'on se Ben, connaît. je vous tiens au courant, pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup et puis bonne saison vu que c'est la rentrée aussi pour vous. Donc bonne Ben saison ouais, à toute bah l'équipe. oui, c'est Vous avez reparti, vraiment c'est moyen de reparti. revenir. Voilà, c'est reparti pour Une une bonne année. soirée. À vous aussi, belle soirée, merci Zaz, à bientôt, belle nuit, à bientôt, au revoir. Au revoir Au Bruno, revoir, merci. au revoir, au revoir. Et oui, tout est reparti comme dans l'an 40, comme disait l'autre. Alors on espère qu'on aura une belle saison, une belle fin d'année, pas trop froid. J'aime bien, moi j'aime bien l'été indien, septembre, octobre, il fait encore bon. Fait moins ces grosses chaleurs, ça c'est bien aussi, mais il faut pas qu'il fasse froid, s'il vous plaît, pas de froid. Un peu de pluie de temps en temps, il en faut parce qu'il faut arroser les jardins, les champs et puis nos réserves d'eau, mais un petit peu, pas trop, pas trop. Parce que je déteste, je sais pas vous, mais c'est quand on a 15 jours, 3 semaines de pluie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors ça, moi je sais pas vous, mais moi ça me fiche le moral par terre, j'ai pas envie de sortir. J'en ai envie de rien faire. Il pleut, il pleut, il pleut, et il pleut, et il pleut. Donc, s'il pleut un peu, pourquoi pas? Mais après, un peu de soleil, 2, 3 jours de beau, il peut pleuvoir un petit peu. J'aime bien quand c'est alterné. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que on va partir quelques instants pour une page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Le chat n'est pas revenu, on va le laisser tranquille. Pas pourquoi ça fait comme ça. En tout cas, oui, je connais. Tout à l'heure, Zotz parlait, le miel, tout ça pour adoucir, mais voilà, je sais pas si c'est l'âge, si c'est mes poumons, j'en sais rien. Pourtant, je suis pas enrhumé, j'ai pas pris froid. C'est des trucs comme ça. Bon, ben voilà. Comme disait l'autre, les années qui passent, ça n'arrange pas les choses, n'est-ce pas? Donc voilà, je sais que je ne suis pas le seul. J'entends beaucoup de gens qui râlent, qui toussent. C'est pas très, très, très joli, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pas faire grand-chose, hein? Voilà. Et c'est vrai, quand on a un travail où on doit parler publiquement, c'est plutôt embêtant. Mais j'ai décidé aujourd'hui, parce que ça m'est arrivé aussi cet après-midi, je vais quand même en parler soit à mon médecin, à mon pharmacien, ils ont peut-être quelque chose qui fait que on arrive à régler ça. Si je parle pas trop, ça va, mais c'est au moment où on commence à parler beaucoup que ça arrive. Voilà. Mais merci pour le miel, ça je le savais, que de faire du thé au miel, ça radoucit. Mais boire juste du thé avec du miel avant de rentrer sur le plateau, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà. On va voir ce que la personne va nous dire qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Et bonsoir Cédric, comment allez-vous bien?
Je vais bien vous-même. J'espère que vous avez passé un très bel été. Ben oui, et vous, qu'est-ce que vous me racontez? Ah, moi, je vais bien. Je téléphone pour mon amie Véronique. D'accord, mais vous avez passé un bel été quand même? Oui, j'ai passé un très bel été. Merci de vous en inquiéter. D'accord. Alors, je suis en train de noter pour votre ami. Et puis, il y a une autre personne avec M qui est. Voilà, Oui. 4. Qui est M? C'est sa maman ou c'est qui? Ou la C'est vôtre? ta maman, bien sûr, La bien sûr. maman avait? Ah, Véronique, c'est la maman D'accord. avait, oui. D'accord. Alors, mon cher Cédric, bienvenue, bienvenue. J'espère. Voilà, bah oui, on est reparti déjà ce mois de septembre, on est reparti de plus belle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Oui, bien sûr. Alors, la première question, c'est la maison où Véronique vit a été vendue. Ah, c'est compliqué pour le moment. Il y a beaucoup de travaux et ce qui a rendu Véronique inquiète de sa situation. Cela lui donne beaucoup d'incertitudes. Alors, Parce je. qu'elle se Alors, je. demande si elle pourra rester dans l'appartement en 2025. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, parce qu'il y a comme des petites coupures. Vous parlez de quelle maison? La maison où Véronique vit, son appartement, Ah, a été d'accord. vendu. A Elle est été. Ah, locataire, la maison était ils ont joint vendue. des Ah, travaux. la maison était vendue par le propriétaire, Oui, exactement. mais Véronique est locataire. Exactement, oui. D'accord. J'ai compris. C'est savoir si. Parce que des fois, les propriétaires, ils veulent tout refaire, ils virent tout le monde, et puis voilà, savoir si elle pourra rester là où elle est. C'est ça que vous voulez savoir, en fait. Exactement, en 2025, exactement. D'accord. Et elle sait qui c'est, le propriétaire? Elle l'a vu? Oui, elle l'a vu, ce monsieur, c'est... D'accord. Mais c'est quelqu'un qu'elle connaissait d'avant ou pas du tout? Non, qu'elle connaissait pas du tout. Pas du tout, d'accord. Parce qu'effectivement, je ne critique pas les gens, les promoteurs ou les gens. Il y a des fois des gens qui, ce qu'ils veulent, c'est surtout faire de. Alors, c'est rare que les gens achètent quelque chose pour ne pas faire de l'argent. Hein, ça me semble logique. Hein, mais voilà, mais si c'est refaire les choses, augmenter un petit peu le loyer, bon, ça va. Mais si c'est ce que je déteste, enfin, je n'ai pas à juger, mais je sais qu'il y en a aussi qui achètent, qui virent tout le monde, qui refont tout, puis qui doublent les loyers. Donc, c'est compliqué, effectivement. Alors, est-ce qu'elle pourra rester un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 3. Parce qu'elle aimerait rester quand même. Elle aime beaucoup, elle vit. Il y a une bonne ambiance, c'est proche des commerces. Non, non, elle s'y plaît beaucoup. Ça fait 40 ans qu'elle vit. Donc elle s'est forcément attachée à cet endroit. Excusez-moi, je vous entends pas bien. Je vous entends pas très bien. Qu'est-ce que vous dites? Qu'elle est très bien où elle Ça est? fait 40 ans qu'elle vit, oui. Ça fait 40 ans qu'elle vit dans cet appartement. Ouais. Et elle y est très attachée. Ah, voilà. Voilà, je vous entends bien. Vous étiez un peu loin. Voilà pourquoi. Très bien. Alors. Alors, moi, ce que je perçois dans le jeu, c'est que. Le nouveau propriétaire il va quand même vouloir. C'est vieux là où elle habite, enfin, je veux dire, ça a des années. Ça date des années 40. Alors on voit qu'il va effectivement vouloir faire des travaux, ça c'est sûr. Alors moi je dirais qu'elle pourra rester, mais je vois quand même une augmentation de loyer. Malheureusement, ça me semble. Alors c'est pas que c'est logique, mais si quelqu'un, je sais pas, refait les cuisines, refait tout, refait les salles de bain, je dis comme ça. Et puis qui refait certaines choses, c'est pas pour le laisser au même loyer. Il va vouloir. Alors après, ça ne veut pas dire non plus qu'il va doubler le loyer, comme j'ai dit. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit certains font ça. Mais il y aura une augmentation de loyer, ça, il faut le voir. Et c'est vrai que votre ami va quand même hésiter à rester ou partir parce que, voilà, je sais qu'elle n'a pas non plus des immenses moyens, comment dirais-je, pécuniers, financiers. Et puis, ça sera quand même une charge plus lourde. Hein. Donc, il y aura une augmentation, ça, je le vois. Mais elle me semble raisonnable. Alors, raisonnable pour moi, peut-être c'est pas raisonnable pour quelqu'un d'autre, mais il y aura une augmentation. Et puis, ce qui me semble un petit peu que je ressens. Il y a combien d'appartements dans cette maison, vous savez? Huit, une dizaine à peu près. Parce qu'en fait, ce que je peux comprendre, c'est que pendant les travaux, eh ben, il y a des gens, soit qui devront être relogés.
pas tous. C'est pas que je vois qu'ils vont dire aux 8 personnes de partir, mais ils vont faire comme, je dis comme ça, si un appartement qui se libère, disons, ou deux, ils vont demander à des locataires d'aller dans ces appartements pendant qu'ils font les travaux dans l'autre, ou ailleurs, ça, parce que ça peut être ailleurs aussi, momentanément, le temps qu'on fasse les travaux. Parce que c'est vrai que si on doit tout casser, tout transformer, c'est pas possible de vivre dans un endroit plein de poussière, de plastique, de machin où on peut plus bouger. Et si la journée il y a des ouvriers, on peut pas rester. C'est un kikinant. Donc je vois qu'il y aura ce qu'on appelle un déplacement de personnes momentané, le temps qu'on fasse les travaux, les transformations de l'appartement. Après, la personne pourra revenir. Mais encore une fois, quand tout sera fait, pas avant, mais ça me semble logique, c'est plus de la logique, quand tous les appartements seront faits, le propriétaire ou le nouveau propriétaire va dire du style, voilà, je dis n'importe quoi, vous aviez 1000 francs de loyer, maintenant ça sera 1002, parce qu'on a fait plein de travaux. Je pense que ça sera raisonnable, il ne va pas dire 2000, mais il y aura une augmentation qu'on ne pourra pas ou qu'il ne pourra pas éviter, parce qu'il va dire, j'ai fait quand même beaucoup de frais. Et puis, moi, ce que je sens, c'est que l'appartement sera bien, parce qu'il sera plus moderne, avec des nouveaux, je sais pas, des nouvelles armoires, des nouveaux appareils, une nouvelle baignoire ou une nouvelle douche, j'en sais rien. Mais ça sera quand même très bien, très commode et bien vivable. Donc après, il faut savoir si cette petite augmentation conviendra à votre ami ou pas. Si ça ne lui convient pas, eh ben, elle devra chercher autre chose, c'est sûr. Et si ça lui convient, qu'elle dit, bon, ben, pour ce prix-là, alors j'ai dit 200 ou 300 ou 150, ça, j'ai donné un exemple, c'est ce que je ressentais. Mais il y aura une petite augmentation, ce qui me semble assez logique. Et puis, je ne suis pas là pour, comment dirais-je, taper sur la tête des propriétaires ou des gérances ou comme ça. Parce qu'il faut aussi voir, hein, si rien n'a été fait pendant 40 ans, alors je ne sais pas, vous savez si elle a eu des travaux, des choses comme ça, déjà entre deux, ou jamais rien? Oui, elle avait fait des travaux en 98, elle avait fait appel à des maîtres d'œuvre. Elle qui avait payé les maîtres d'œuvre pour pouvoir rénover l'appartement. C'est elle qui avait payé? Pour refaire certaines des... Ouais, c'est elle qui avait payé de sa poche. Alors, je ne suis pas là encore pour faire l'avocat du diable ou des locataires ou des propriétaires. Vous savez que dans la plupart des cantons, alors je ne sais pas les autres, mais en tout cas, elle est dans le canton de Vaud, votre amie? Elle est dans le canton de Neuchâtel. Ah, alors je connais mal, chaque canton a ses lois. Mais je sais qu'ici, moi je suis dans le canton de Vaud, tous les 10 ans, on a le droit à se faire refaire une pièce, ou la cuisine, ou la salle de bain. C'est un droit, parce qu'il y a une usure normale. Et là, normalement, il ne peut pas y avoir d'augmentation, parce que c'est l'usure normale. Il y a les cattels qui tombent, ou j'en sais rien. Il y a la peinture qui se défraîchit. Il y a les portes d'armoire de la cuisine qui se dévissent, qui ne tiennent plus. Donc, ils doivent faire aussi ce qu'on appelle un entretien, qui est à la charge, il me semble, normalement, je ne veux pas trop m'avancer, du propriétaire ou des propriétaires en général, même si c'est une gérance, il y a toujours des propriétaires. Et là, il ne peut pas y avoir d'augmentation parce que c'est ce qu'on appelle une mise à jour. Par contre, si on refait l'extérieur d'une maison et qu'on refait tout l'intérieur, il peut y avoir une augmentation, mais elle doit aussi être raisonnable. C'est-à-dire, voilà, justement, une personne qui habite là, je reprends l'exemple, qui dit, voilà, on refait tout, vous payez 1000 francs, maintenant on vous fait 2000, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a, alors moi j'ai connu un petit peu tout ça, il y a ce qu'on appelle, ils ne peuvent pas faire ce qu'on appelle, je vous dis comme ça les mots, un rendement excessif. Ils ne peuvent pas augmenter tout ce qu'ils veulent. Ils doivent prouver les travaux répartis, chacun comment ça fait, combien ça va. Ils ne peuvent pas dire, bon, c'était 1000, maintenant on va mettre 3000. Ils n'ont pas le droit. Je crois qu'on appelle ça le rendement excessif. Ça doit être adapté aux travaux, adapté au nombre d'années où on n'a pas fait les choses. Il y a plein de choses à faire. Mais si tout d'un coup... Alors, moi, ce que je conseille, hein, je conseille ça, et je sais pourquoi je le conseille, parce que j'ai dû le faire dans mon bâtiment où j'habitais, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Si tout d'un coup, ils augmentaient tous les locataires de façon
inadéquates, ils ont le droit, il faudra qu'ils prennent un avocat, il y a des avocats spécialisés dans ce qui est le bâtiment, le locataire, tout ça, ou bien les associations, je ne peux pas la nommer, mais vous connaissez, et il faut qu'ils se défendent. Et puis, nous, je vais vous dire une chose, on était passé 50 locataires, il y en a 35 ou 38 qui ont abandonné ayant peur de se faire virer, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et, parce qu'ils essayent de nous intimider, hein, je vous le dis tout de suite. Ah oui, c'est ça. Et puis les locataires, non. Au début, on était tous dans la procédure avec l'avocat. Par contre, ils se sont tous enlevés. Et eux, ils ont eu une augmentation. Mais ceux qui sont restés avec l'avocat, dont je faisais partie, ils nous ont pas augmenté. Ils n'ont pas pu. Et en fait, il faut se mettre tous d'accord, les 8 ou 10 locataires, et dire, on n'est pas d'accord. Alors, je ne veux pas me mettre à dos toutes les gérances et tous les propriétaires, mais il y a des lois qui existent qui protègent le bailleur, qui protègent le propriétaire, mais aussi des lois qui existent qui protègent le locataire. Et il ne faut pas se laisser faire. Moi, je vous dis tout ça. Je ne vais pas vous donner un cours là-dessus parce que, j'ai passé pas mal de choses là-dessus. Mais il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas accepter n'importe quelle augmentation. Il faut faire opposition. Et le mieux, c'est de se mettre ensemble, de éventuellement. Alors, et puis, bon, je sais bien, hein, parce que nous, on avait pris un avocat, mais comme on était une cinquantaine, ça nous avait fait 200 francs chacun, donc ça allait. Si là, ils prennent un avocat, que ça coûte, je dis n'importe quoi, 2000 francs, puis qu'ils sont 8, ben, ça leur coûtera 250 francs. C'est clair que c'est mieux que de devoir payer tout seul un avocat. Donc, ils se mettent ensemble, ils répartissent les frais, mais il faut se battre. Et puis, ne pas accepter, parce que moi, je sens... Alors, peut-être que je me trompe et que ce propriétaire va dire « Non, je vous augmente de 150 francs. » Bon, s'il a fait des travaux extérieurs, intérieurs, puis qu'il a tout remis à neuf, on peut accepter. Mais il ne faut pas qu'elle accepte n'importe quelle augmentation. D'accord ? Voilà. Autre chose, peut-être ? Oui, bien sûr. Cela va faire une année que nous avons, avec Véronique, placé des annonces et sur Internet et dans divers magasins pour un travail de dame de compagnie en tant qu'occupation salariée, en tant qu'extra. Ça ne donne rien du tout. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose au final? J'ai eu Véronique au téléphone. Aujourd'hui, elle n'y croit plus du tout à ces annonces. Elle est vraiment au bord du désespoir. Moi, je comprends. Maintenant, je vais quand même vous dire, aujourd'hui, j'ai quand même des choses que je ressens fortement. Je pense, hein, quand même. Comment je peux vous dire ça? Je l'ai déjà eu ressenti d'autres fois, mais je voulais pas mettre des doutes ou bien donner des faux espoirs. Moi, je pense, hein, sincèrement, que ce qu'elle propose, juste dame de compagnie et de se faire payer, c'est pas suffisant. Personne ne veut engager juste quelqu'un pour tenir compagnie et puis tiens, voilà de l'argent. Il y en a peut-être qui le font, qui ont beaucoup d'argent. Mais à mon avis, si elle trouve, c'est avec ménage ou avec cuisine ou en faisant plusieurs choses. Si c'est juste 2-3 heures pour tenir compagnie, qui sait qui va faire ça, franchement? Moi, j'ai toujours eu beaucoup de doutes par rapport à ça, mais j'ai dit bon, je laisse aller parce que voilà. Peut-être qu'elle trouvera quand même quelqu'un, mais c'est vrai que les gens, je vous dis comme ça, parce qu'il faut toujours penser à ça. Faut toujours penser. Moi, si un jour j'espère arriver à 90 ans ou à 90 ans, je vais pas payer une dame juste 2 heures par ou 3 heures par semaine juste pour me tenir compagnie. Si je la paye, elle vient peut-être faire un peu de ménage, ou elle vient faire les vitres, ou bien elle me fait à manger. Alors là, oui. Mais si c'est juste pour être à côté de soi, oui, alors que ça a été aujourd'hui, oui, je vous fais un café, d'accord. Payer quelqu'un pour ça, moi, j'y crois pas beaucoup. Et je pense que dans ce qu'elle propose, elle, de faire juste dame de compagnie, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit plus complet, ce qu'elle propose. Il faut qu'elle fasse... Voilà, un peu. Après, peut-être qu'elle n'a pas envie de faire de ménage. Mais si c'est quelqu'un, votre ami, qui n'a pas envie de faire de ménage, ni de faire de cuisine, elle veut juste être là pour tenir compagnie, ça va être difficile à trouver. C'est ça. C'est peut-être pour ça qu'elle ne trouve pas. Mais je vais quand même regarder. Et cette fois, je vais peut-être poser aussi la question, est-ce que si elle étoffe un petit peu ce qu'elle propose, est-ce que quelqu'un va la prendre quand même? Voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pour le 3. Le 3. Ouais, je pense que juste dame de compagnie,
C'est, vous savez, comme je disais, si moi j'ai 90 ans, si j'ai besoin de quelqu'un de compagnie, je peux peut-être demander à un voisin, une voisine, oh, passe boire un café, puis on reste un moment, puis j'ai pas besoin de dame de compagnie. Alors, voilà, Non, c'est. merci. Dame ou homme de compagnie, je pense que c'est. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'est insuffisant. Non, mais ça n'ira pas. Alors, je n'ai pas demandé. Alors, ouais, ça me confirme que si elle reste comme ça. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que si elle ajoute, t'es pas un petit peu de ménage ou. Après, de faire un petit peu de ménage, ça ne veut pas dire qu'elle doit faire à fond la cuisine, les toilettes et tout, mais ça peut être passer l'aspirateur, Non, merci. faire une fois les vitres, mais quand même donner un coup de main. Est-ce qu'en faisant des petits travaux comme ça, elle aurait plus de chances de trouver quelqu'un. Vous avez dit quel chiffre déjà? Le 3. Le 3. On va aller voir. Ça dit que ce ne sera pas facile, mais elle devrait pouvoir mieux trouver. En proposant, en étoffant un petit peu les services qu'elle peut rendre à une personne âgée. Parce que là aussi, c'est comme je disais, la personne qui a besoin de compagnie, elle peut avoir un voisin, elle peut avoir un fils, une fille, une belle-fille, un beau-fils qui viennent, qui restent 2 heures avec pour tenir compagnie. Tenir compagnie, je sais pas, il me semble que c'est, si j'ose me permettre, c'est connu, hein, homme ou dame de compagnie, mais je pense que c'est aujourd'hui. Je ne vais pas dire désuet, c'est peut-être un petit peu fort, mais je veux dire, il me semble que ça s'est perdu, ça, homme ou femme de compagnie. Si c'est homme de ménage ou femme de ménage ou proche aidant, ou proche aidant, comme on dit maintenant, mais homme ou femme de compagnie, moi, peut-être même si j'étais âgé, je veux dire, je n'ai pas besoin de compagnie. Donc, c'est pour ça que, alors ça dit oui, elle devrait pouvoir mieux trouver, mais ça ne va pas être facile non plus. Voilà, mais voilà, parce qu'après, il y a cette histoire de confiance, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. D'autres questions, peut-être? Oui, une troisième. Alors, s'il s'agit de la mère de Véronique Monique, c'est au niveau des énergies. Elle n'est pas bien? Elle n'est pas bien, elle a été opérée d'un cancer du sein qui a été prise au début de la maladie. Elle aimerait savoir comment ça va évoluer au niveau des énergies pour sa maman. D'accord. Alors, je ne peux pas rentrer dans la maladie, hein, vous le savez, je n'ai pas le Non, droit. non, bien sûr, je le sais, je sais, vous Voilà. savez, votre Voilà. déontologie, Mais bien je peux sûr. voir comment ça va aller. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 Voilà. et 6 pour sa maman. Ah. Le 1? Non, le 3. Ah, le 3, pardon, je n'entendais pas bien. C'est Le pas 3, grave, le 3, le 3. excusez-moi. Non, c'est. Vous savez, les lignes, hein, elles ont envie d'être en vacances aussi. Bon, ça va aller, ça va aller. Et puis, vous l'avez dit, ça a été pris à temps et heureusement, parce que ce que les cartes disent aussi, c'est que on aurait tardé plus 2, 3, 4 mois de plus, ça aurait été compliqué, effectivement. Alors, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que voilà, dans la maladie, on ne sait pas si demain, pas demain, mais dans 6 ans, 10 ans, 3 ans, ça peut revenir ou dans 20 ans. Ça dit que pour l'instant, les choses sont réglées, ça va aller mieux. Elle va pouvoir s'en remettre. C'est ce que disent les cartes, en tout cas. Voilà. OK? Oui. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Non, j'ai encore deux autres questions. Alors, allez-y. Alors, c'est la situation financière à Véronique. Elle est bloquée depuis plusieurs années. Et ça l'inquiète vraiment. Elle veut savoir si sa situation va se débloquer cette année. Alors, est-ce que cette année ou en début d'année prochaine, en cette année, l'année prochaine, est-ce que la situation financière de Véronique va se débloquer ou ira mieux? On va dire comme ça, un chiffre entre 1 et 6, s'il Oui. vous plaît. Quoi? Toujours? Oui. Un peu mieux, mais pas, c'est pas le nirvana, hein? Voilà, ça ira un petit peu mieux, D'accord. mais ça dit que ça restera quand même un petit peu bloqué, compliqué. Voilà, ça va pas passer du jour à la nuit.
Ça passera peut-être du jour au crépuscule, donc ça ira un petit peu mieux, mais ça parle quand même qu'il y a, voilà, c'est comme si on me disait il y a trop de retard ou il y a trop de choses qui sont derrière pour pouvoir rattraper les choses comme ça. Mais ça ira mieux, elle pourra souffler, mais voilà, mais il D'accord. faut pas non plus qu'elle s'attende à des miracles, hein, ok? Voilà. D'accord. J'ai une dernière Oui, la question. dernière question, allez-y. Alors, va-t-elle rencontrer quelqu'un de libre qui a une bonne situation financière d'ici la fin de l'année 2024? Je la connais, elle a ses exigences, hein, ce Va-t-elle critère. rencontrer l'homme riche? L'homme. Alors, va-t-elle rencontrer. Alors, on va déjà demander. Va-t-elle rencontrer quelqu'un de bien et puis qui soit. On va pas parler de richesse ou d'aisé, mais quelqu'un qui soit bien. Qui soit bien. Voilà. Un chiffre entre 1 et Financièrement, 6. exactement, voilà. Un chiffre. 3. Le 3. Après, on peut. Voilà, sans rencontrer quelqu'un de riche, on peut rencontrer quelqu'un qui n'a pas de difficultés financières, qui peut aider un petit peu. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est, alors, 1, 2, 3. Ben, c'est exactement. C'est marrant, c'est exactement ça. Alors, il ne faut pas qu'elle s'attende à rencontrer quelqu'un de riche, hein, c'est ce que me disent les cartes. Mais, comme j'ai dit, quelqu'un qui n'a peut-être pas de dette et qui dit, bon, ben moi, à la fin du mois, il me reste, je dis n'importe quoi, 500-600 francs, ben, je peux donner 200 francs à Véronique. Il pourra l'aider un petit peu, mais sans que ça soit des milliers, ni des milliers en tout cas pas des millions, mais ni des milliers de francs. Mais ça ira Non, aussi quand merci, même quoi. mieux. C'est pour ça qu'elle pourra aussi respirer, puis elle devrait rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a quand même la carte de l'homme. Mais encore une fois, je ne parle pas d'un nabab ou de faut que je dise un nabab, quelqu'un d'extrêmement riche, mais que ça peut être quelqu'un qui est bien, qui n'a pas de dette, et qui se dit, bon, ben, tiens, tu veux 100 francs, tiens, voilà, si tu veux 50, voilà, tu veux 200, voilà. Mais il ne pourra pas non plus donner des milliers de francs, parce qu'après, il prendrait sur sa propre, comment dire, quantité vitale qu'il a par mois. Voilà. OK? Pas de problème. Alors, je tenais beaucoup à vous remercier, Bruno. Merci à vous et je crois qu'on a un appel qui arrive. Je vous souhaite une très très belle soirée. Bonne salutation à Véronique. Merci infiniment. OK. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir, au revoir. revoir, au revoir, merci. 0901 901 993. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est Gérard. Oui, j'ai vu le prénom. On peut le dire alors. Oui. D'accord. Non, faut changer, s'il vous Ah plaît. bah, vous l'avez dit en direct là, alors fallait pas le Ah, dire. mais j'ai. Oui. Ah, mais j'ai dit ouais, le vrai, non. Oui, mais vous. Non, mais. Ouais, tant pis. Oui, mais oui. Mais il fallait pas le prononcer en direct parce que là, vous êtes en direct et dites bonjour. Vous l'avez dit, mais c'est pas grave. Ah, oui, bien sûr. C'est Ouais, pas mais grave. ça C'est fait pas rien, grave. tant pis. Oui. On a rien entendu. Oui. Gaston, dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous, Gaston. Je vais vous appeler Gaston, comme le téléphone Voilà, qui sonne. d'accord. D'accord, dites-moi. Alors. J'aimerais savoir mes énergies, s'il vous plaît. Et puis, bienvenue avant tout. Hein. C'est vrai qu'on est parti sur le prénom. Oui. Alors, les énergies pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque En chose? général, oui. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas ou c'est de façon générale? Ou bien vous avez des Oui, douleurs quelque je me part? soigne. Pardon? Oui, je me soigne pour le cœur, là. D'accord. Et puis, j'ai des arythmies. Et puis, je vous avais demandé de le secret une fois déjà, puis ça avait marché pendant un D'accord. mois. Alors ça, je pourrais le refaire, Oui, effectivement. oui. Alors, Mais, ouais, ça, je vais avoir mes énergies maintenant. d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Non, 2, 2, 3. Alors, 1, 2, 3,
là. Bon, ça va, ça va. Simplement, ce que je ressens, ça c'est un ressenti que j'ai d'après les cartes qui sont là. Est-ce que... Alors, difficile à dire si vous sortez ou si vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous avez peut-être eu une période un peu plus stressante ou des choses un peu plus compliquées ces derniers mois ou ces derniers temps? Oui. Voilà. Parce que c'est un petit peu ce qui sort, puisque vous parliez du cœur, il y a un petit peu le... comment je peux dire ça? Comme s'il y avait la nervosité autour du corps, du cœur, et puis le stress, enfin, je ne sais pas si c'est le stress, mais comme s'il y avait des choses un petit peu qui vont pas, ou des contrariétés, ben, qui n'en a pas, on est d'accord. Mais c'est vrai que Oui. ça parle comme ça, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ça vous met peut-être, dont vous avez parlé d'arythmie, mais encore une fois, moi je ne suis pas médecin, mais c'est comme si Oui. tout était un petit peu lié nerveusement, psychologiquement, donc on s'inquiète, ou il y a des choses qu'on attend qui viennent pas, ou des choses comme ça. Mais ça dit que ça va aller, parce qu'il y a quand même la carte du renouveau, la protection. Moi, je dirais, c'est un passage un petit peu comme ça, simplement. Et je sentirais assez, mon ressenti me parle surtout encore, donc août et septembre, donc encore un petit peu, mais ça va aller de mieux en mieux. Vous êtes suivi, je pense, automatiquement, je pense, Oui, médicalement, voilà. oui. Ce que je vous dis, ça vous parle ou je suis à côté de la plaque? Oui, ça me parle, oui. Ça. Voilà, Oui, ça me parle. on voit que c'est, enfin on voit, je ressens que c'est un mauvais moment. Des fois, comme on dit tous, ah bon, ben, il y a eu ci, il y a eu ça. Puis des fois, les choses s'accumulent. Oh là là, je viens de passer ça, il y a encore ça qui me tombe sur le nez, ou des grosses factures, ou je dis n'importe quoi là, ou bien ceci, cela, ou bien j'ai un problème avec tel et tel. Et en fait, il y a une sorte d'accumulation de choses, bah, qui, lorsqu'on a, et puis en plus on a déjà un cœur qui est un peu fragile, bah, il s'emballe, ou voilà, des choses où l'arythmie, je ne sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est le rythme qui ne va pas bien. Mais Oui. franchement, mon cher Gaston, je ne vois rien de catastrophique pour l'instant. Les cartes vous disent effectivement juste la chose que préviennent les cartes, c'est de... Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'essayer de calmer les choses, de... Ah, je sais pas comment dire. Comment, vous savez, il y a le dicton qui dit de moins prendre à cœur les choses. C'est un petit peu ça. Mais je sais que c'est facile à dire. Oh ouais, bon, lui, il dit, il ne faut pas prendre à cœur. Mais quand on a des tuiles qui nous tombent sur la tête, ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est comme si on disait, lâchez les choses, ça va s'arranger. Il ne faut pas vivre dans l'angoisse ou dans le stress ou dans la peur, enfin, ou des choses comme ça, ou dans l'angoisse, ce n'est pas forcément de la peur. Tout va s'arranger parce qu'on voit que les choses, il y a la protection et ça va aller. Et effectivement, passer ce mois de septembre, ça ira beaucoup mieux, effectivement. Voilà, il faut un petit peu de patience, lâcher tout ce que vous pouvez. Comment je peux vous dire? Si vous voulez, je dis n'importe quoi. Si vous avez trois soucis, peut-être je dis comme ça, trois ou quatre, Oui. essayez d'éliminer ceux que vous dites, bon, ben ça, ouais, ça m'embête, mais bon, c'est pas si grave. Allez, je m'en fiche, j'y pense pas. Ça non plus. Alors, il reste ces deux qui sont un petit peu handicapants, enquiquinants, emmerdants, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais si sur les quatre, vous en avez déjà éliminé deux, eh bien, ça fait déjà une sorte de calme, de décompression de votre état nerveux. Et ça ira. Mais il faut. Voilà, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Bruno, vous êtes marrant. Ouais, c'est facile à dire, mais il faut le faire. Mais encore une fois, rien de grave. Ça va passer. Et puis, effectivement. Je le ressens aussi, je vous ferai le secret, ça devrait pouvoir vous aider à nouveau, effectivement. D'accord. Puis Autre une chose, oui? protection aussi ou bien? Pardon? Une protection Oui, aussi? oui, oui. Je peux vous faire les deux, pas de Oui. souci. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas, ou plus? Profitez. Non, Non? j'ai pas, on m'a demandé si j'avais un deuxième nom. Mais bon, Non, j'ai rien dit, non, 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 mais. non, 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 il n'y a pas besoin, non, il n'y a pas besoin, ça. Alors, je vais vous faire la Non. protection, non, non, je vais vous faire la protection et je vais vous faire le secret. Voilà. Vous savez comment ça se passe, vous vous souvenez? Oui, Alors, oui. on va déjà faire le secret, vous allez fermer les yeux
vous pensez à vous, ne pensez pas au cœur, à la rythmique, ne pensez à rien de tout ça. Vous pensez à vous, tout simplement. Quand je dis des fois penser à soi, c'est, je dis aux gens, faites comme si vous voyez. Alors, vous ne regardez pas vraiment dans un miroir, vous le faites avec l'imagination, avec le troisième œil, comme si vous étiez en face. On a l'habitude de se voir dans un miroir, comme si vous êtes devant votre miroir le matin, et vous pensez au petit carré blanc, et là aussi, dès que vous êtes prêt, vous me dites. D'accord. Et je commencerai. Je suis prêt. Alors j'y vais, je vous dirai quand c'est fini, je commence. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais vous faire la protection. Voilà. Là aussi, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à vous. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Juste à vous, simplement. D'accord. Et essayez. Oui. Pendant que je fais la protection, de vous envoyer à vous-même, puisque vous devez penser à vous-même, des bonnes énergies, disons Gaston, enfin votre prénom, ça va aller, tout va bien se passer, tout ira bien. Alors, voyez des sourires, voyez le soleil pendant que je fais ça. Vous me dites quand vous êtes prêt et je commencerai aussi. Je suis prêt. Alors j'y vais. Voilà, c'est tout bon, mon cher monsieur. OK ? Merci. Mais je vous en prie, n'hésitez pas, effectivement, si ça vous fait du bien, vous dites ça vous a fait du bien. Après, je n'oblige pas les gens à m'appeler, mais si même dans 6 jours, 15 jours, 2 mois, vous avez besoin, je vous refais volontiers le secret. C'est le but, que les gens se sentent mieux. D'accord ? D'accord, c'est gentil. Merci à vous, tout bon. Et laissez les problèmes aux autres, si je peux me permettre. D'accord. C'est facile à dire, je sais. Allez, à bientôt, mon cher oui. Gaston. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, et oui, alors c'est vrai qu'on le dit tous, hein, moi aussi, même moi-même, je dis oh, mais fiche-toi de ça, mais quand une chose nous travaille. C'est pas si facile que ça de l'évacuer. Et puis, les gens qui ont un certain âge, vous le saurez, ou un âge certain, vous le savez tous, moi, quand j'étais jeune, comme vous, on disait un truc, je m'en fous, ça me coulait dessus, m'en fiche. Quand on vient un peu plus sur l'âge, on a plus de peine à digérer, on a de la peine à passer outre, ça nous prend plus dans les tripes, dans le cœur, et ça, c'est pas bon. Effectivement, on devrait. Alors, on n'y arrive pas, hein, mais parce que moi aussi, j'ai un peu dit, je m'en rien affiche, allez, laisse tomber, qu'ils aillent se faire voir. Mais ça travaille quand même. Et ça, c'est ça qui n'est pas bon, parce qu'on garde en nous les choses,
Et tout ce qu'on n'arrive pas à extérioriser et puis qui reste en nous, ben, ça fait du mal. Ça fait du mal et les énergies ne sont pas excellentes quand c'est comme ça. On devrait, voilà, on doit dégager, extérioriser les choses. Des fois, alors j'ai eu dit ça il y a très 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 longtemps, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est vrai, c'est une bonne chose. Vous allez au plein milieu d'une forêt, regardez qu'il n'y ait personne, hein. Parce que si vous faites ça, il y a les secours, les pompiers, la police, l'ambulance, l'hélicoptère, la réga qui va arriver. Vous poussez des monstres gueulés, vous lâchez les... Mais c'est pas comme ça, c'est vraiment crier de tout votre être. Et puis pensez à ces problèmes et vous les dégagez, enfin vous les faites sortir, pardon, de votre bas du corps, de l'estomac, et là où s'installent les tensions, les nerfs, et vous les crachez, entre guillemets. Vous criez fort et vous pensez, dites, allez, tous ces problèmes, c'est fini. Et vous criez plusieurs fois. Après, vous partez discrètement parce que si tout d'un coup la réga arrive ou la police, vont croire qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire tuer. Mais c'est une il y en a 50 000, mais c'est une des façons de pouvoir dégager des énergies néfastes qui restent à l'intérieur. C'est vrai que je vous donne ce conseil, je l'ai eu donné, mais moi-même, je n'y pensais plus. Je crois que je vais un petit peu le réutiliser parce que j'ai toujours trouvé que ça permet de... Puis quand vous avez crié fort, vous allez vous dire, vous verrez, vous avez une sensation de bien-être, vous avez pu décharger toutes ces tensions, on se sent mieux. Vous verrez, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ah, maintenant, il y a une autre nouvelle qui nous arrive, je le vois sur mon prompteur, c'est notre, vous le savez, notre petite page de pub. On va se quitter quelques instants pour cette petite page de pub. N'hésitez pas, en attendant, de vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 700. Un, pour être avec moi. Deux, pour... Non, ça, c'est le concours, c'est le 700. Et puis, si vous voulez m'appeler, bien, vous faites le 1, vous faites le 2 pour nos amis, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Allez, on se quitte quelques instants, une toute petite page de pub. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Waouh, déjà de retour, c'était rapide. C'est très bien, comme ça on restera ensemble plus longtemps. 0901 901 993, le numéro que vous voyez en bas de votre écran, vous pouvez le composer si vous voulez me parler. Donc vous faites le 1, si vous voulez parler à nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et ensuite, quand vous aurez fait le 2, ça va vous demander le code PIN de la personne que vous désirez. Vous le faites. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous dites bon, 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 je ne sais pas qui prendre. Pas de problème. Vous faites le 3. Et en faisant le 3, eh bien, ça vous choisira quelqu'un à l'arrière de façon complètement aléatoire. Donc n'hésitez pas. Vous avez plein de possibilités pour nous atteindre. Vous voulez participer à cette émission d'une autre façon? Eh bien, pas de problème aussi, pas de souci. Vous vous inscrivez à notre concours TVM3, vous envoyez le mot TVM3, justement, donc c'est un SMS, TVM3, TVM3 au 700, numéro où vous devez envoyer, 700, envoyez, et vous êtes automatiquement inscrit à notre panel concours. Et si de temps en temps, bah, on va tirer quelqu'un au sort, si vous êtes pris au sort, eh bien, vous ne paierez rien que un franc pour, comment dirais-je, un franc pour vous inscrire. Tout de suite, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je suis en train de noter. Voilà. Et puis, l'autre personne, merci. Je suis juste en train de noter les coordonnées. Voilà, bienvenue sur le plateau. Vous avez passé de belles vacances?
Non, pas du tout. J'ai pas eu de vacances encore. Pas eu de vacances? Ah ben ça viendra alors, ça viendra. J'espère, J'imagine. oui. Ben j'ai sûrement, sûrement. Ben écoutez, c'est vrai qu'il y a des gens des fois. Alors, quand je disais belles vacances, je voulais savoir si vous avez passé un bel été. Des fois, on n'a pas de vacances, mais elles viennent à un moment ou à un autre. Vous travaillez? Pas pour l'instant, Pas je pour suis l'instant. en arrêt maladie. D'accord, ouais, Oui. alors je comprends, je comprends. Désolé, je ne pouvais pas savoir. OK. Ma chère Pas de souci. madame, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre Moi, question? j'aimerais savoir sur les énergies. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir sur les énergies? Les énergies, c'est le sujet Ouais, de... j'ai un problème de hanche droite. D'accord. Donc savoir... alors, comme Ça vous avez... va s'améliorer et tout. Voilà, vous avez des douleurs, des choses comme ça? J'ai déjà fait plusieurs opérations et tout. D'accord. Ok. Mais actuellement, vous avez des douleurs ou pas? Non, ça va. Non, Là, ça va? je suis hospitalisée là. Ah, vous êtes hospitalisé, d'accord, ok. Oui. Ah, vous êtes fait opérer récemment, alors, en fait. Oui, en fait, ça fait depuis le mois de mai et tout. C'est la quatrième fois que je fais. Ben, dis donc. Et ils ont dû vous opérer 4 fois. Eh ben, Oui, bon. ils envisagent peut-être une cinquième fois. Donc, je voulais savoir si ça s'améliorait et tout. D'accord. Alors oui, ça, effectivement, 5 opérations, même 2 ou 3, c'est beaucoup. Et surtout si c'est pour la même chose, en fait, d'après ce que vous dites, hein. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est la hanche droite ou la hanche gauche, excusez-moi. Hanche droite. Hanche droite. Alors. Je ne veux pas être indiscret. Pourquoi ils doivent réopérer? Ils n'arrivent pas à le faire? Ça ne tient pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la première fois, j'ai chopé une infection. Ah, Puis zut. depuis, ça s'enchaîne. Ok. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, pardon. Le 2. Le 2. Merci. Donc là, vous appelez depuis l'hôpital, en fait. Oui. D'accord. Vous avez la télé alors. Bien sûr. Sinon, Heureusement. vous pouvez pas me voir. Oh non, mais des fois, les gens savent que c'est l'heure de l'émission. Mais voilà, bon, bah, comme ça, vous. Oui, je regarde assez souvent et tout. D'accord. Alors, ça devrait aller, mais on voit effectivement qu'il y a un problème. Ça, c'est suite certainement à des anciennes opérations. Vous avez parlé d'une infection, hein, je crois, quelque chose comme Oui. ça. C'est ça qui est difficile à, comment dirais-je, à éliminer, en fait, cette infection. Entre Normalement, autres. j'ai plus d'infections et tout, mais ils savent pas pourquoi ça reste comme ça et tout, quoi. Mais ça reste que, ça veut dire quoi, ça reste comme ça? Ça ne se colle pas, ça ne se ressoude pas, ça ne se met pas en place. C'est quoi qui ne va pas? C'est-à-dire, j'ai toujours du liquide qui sort et tout. D'accord. Mais j'ai plus d'infections et tout, mais j'ai toujours du liquide qui sort. Tiens, c'est bizarre. Alors, moi, je dirais que ça va aller, mais c'est comme... Comment dire? Encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, mais, ni chirurgien, mais c'est comme s'ils devaient encore voir quelque chose d'autre ou quelque chose que peut-être ils n'ont pas découvert. Rien de grave, hein, rien de grave. Mais à mon avis, il y a quelque chose comme si... Parce que des fois, ça peut être quelque chose d'insignifiant, mais il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Et puis, les cartes sembleraient... Alors, je dis, c'est pas moi, mais les cartes sembleraient dire... Effectivement, il y aura peut-être une cinquième opération quand même, mais ça serait la dernière, heureusement. Et puis, là, ils vont trouver ce qui ne va pas, parce qu'il y a quand même la carte de la force santé. Et puis, ça devrait enfin être bon. Parce qu'ils vous ont dit que peut-être il y aurait encore une opération, ils vous l'ont dit? Oui, aujourd'hui, oui. D'accord. Ils vous ont déjà programmé ou donné une date par rapport à ça, Non. non? Non, bah si ça se fait, je pense à la fin de la semaine. Ah, déjà cette semaine. Moi, Oui. ce que je vous conseille rien du tout. Moi, ce que je vous propose, si vous voulez, si vous devez faire cette opération, c'est de m'appeler. Supposons que vous dites, allez, on vous opère vendredi, je dis n'importe quoi. Appelez-moi le jour avant et puis je vous ferai une protection d'opération et peut-être un renforcement aussi des choses pour que ça se passe bien puis qu'il n'y en ait pas encore d'autres, effectivement. Mais à mon avis, il D'accord. devrait trouver enfin.
après quatre opérations. La solution. Mais, voilà, la solution. Mmh. Après, je ne suis pas là pour taper sur la tête ni des chirurgiens ni des médecins qui essayent, j'en suis sûr, non, de faire leur travail. Non, hein, non, voilà. Non, non, non. Puis je, et moi, je ressens... Vous savez, quelqu'un disait que le corps humain est quelque chose de tellement compliqué et ça change tellement d'une personne à l'autre que des fois, ce n'est pas facile hein, pour n'importe qui, même, même les meilleurs professeurs et médecins du monde. Moi, je pense qu'ils vont trouver... Et puis, ce que je ressens, est-ce que ça serait pas les mêmes personnes qui vous opéreraient ou est-ce qu'il y aurait quelqu'un de nouveau ou justement quelqu'un... Non, c'est les mêmes personnes. Mais ce que j'ai ressenti, moi, c'est comme s'ils avaient justement un avis comment on appelle ces gens-là, ou d'un professeur ou d'une sommité, voilà, je cherchais peut-être dans ces différentes choses-là. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Mais ça, c'est entre eux. Hein. Oui, absolument. Ça, moi, je ne peux pas savoir. Mais moi, moi, je vous dis ce que je ressens, il y aura quelqu'un qui va vouloir dire, mais vous avez regardé ça. Ben oui, mm-hmm. Alors regardez encore une fois. Ah, mais voilà, on a trouvé. Et pour moi, après, ça sera réglé, enfin. Parce que bon, j'imagine que 3, 4, 5 opérations au même endroit... Ça doit être pénible, effectivement, hein, je pense. Tout à fait, ouais. Oui, tout à fait, oui. C'est carrément la hanche, en fait, vous dites, hein ? Oui. Ouais. Bon, moi, je pense que ça va se solutionner, heureusement, mais c'est d'accord. Bien que cette personne, peut-être on vous en a pas parlé, ou peut-être qu'on vous l'expliquera. Pardon. Ça me fait tousser. Peut-être qu'on vous l'expliquera après coup. Mais vous verrez qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui va... Voilà, parce que moi, je peux comprendre aussi que des médecins ou des chirurgiens, quand ils opèrent, puis maintenant, de bleu, ça ne va jamais. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ouais. À mon avis, ils vont prendre l'avis de quelqu'un encore... Moi, c'est marrant. Ce qu'on me dit, c'est quelqu'un de l'étranger. Des fois, vous savez, ils peuvent se parler par caméra oui, ou je ne sais pas quoi. Et puis c'est, oui, caméra, moi, je pense que c'est quelqu'un ouais. qui va dire... Regardez là cet endroit ou ce point-là, parce que ce que vous dites là, peut-être qu'on a eu un cas, je dis n'importe quoi, il y a 6 ans, 8 ans, 10 ans, et finalement c'était ça. Et ils vont trouver, moi j'en suis sûr. Mm-hmm. Voilà. Autre D'accord. chose peut-être Si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Vous avez déjà rencontré des chirurgiens. Plus tard. Vous avez déjà rencontré des médecins et des chirurgiens. Non, mais je plaisante. Oui, c'est sympa, mais je préfère les voir dehors. Non, mais je vous taquinais. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre? Donc là, vous parlez de sentimental, bien sûr. Hein. Oui. Donc actuellement, vous n'avez personne? Non. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. 2, 3. Entre ces 4 opérations que vous avez eues, vous n'êtes pas tout le temps resté à l'hôpital. Vous êtes ressorti, revenu, je pense, ou bien. Exactement. J'ai fait des allers-retours, oui. Ouais. Et puis. Ça vous empêchait de marcher comme il faut, ça, ou ça va, ou vous avez, Non, j'ai pu remarcher sur la deuxième opération. Je remarchais bien et tout, même je conduisais et tout. D'accord. Et puis après, ça s'est redéclenché et tout, quoi, ouais. Ça s'est déclenché par quels symptômes? Des douleurs? Oui. D'accord. Ouais, puis c'est vrai que si ça s'est guéri puis que les douleurs reviennent, c'est quelque chose qui ne va pas, effectivement. Tout à fait, d'après mon ressenti, hein. Ce n'est pas un diagnostic médical, bien sûr. Hein. Alors, on voit des gens sympathiques, il y a la rencontre, mais c'est vrai que c'est pas... Je dirais que cette année n'est pas extraordinaire, je vais juste calculer quelque chose. Vous êtes du même jour que ma maman. D'accord, 2 du 11. Hein. Alors, 2, 11, on est quoi? On est 2000, je ne sais même plus, 2024, 4, 6, 8, 10, 21. Ouais, c'est pas une c'est en année 3, ce n'est pas une excellente année de récompense. Ça parlerait plus
éventuellement. L'année prochaine. L'année prochaine de quelque chose de mieux. Je pense que moi, et puis, comme il y a aussi tout, il y a aussi de nouveau la maladie, les choses comme ça. Je pense que c'est comme oui, si il y a tout qui. Voilà, c'est comme si les cartes disaient. Remettez-vous, refaites-vous, parce qu'il y a aussi, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre personne, il y a aussi le moral qui est touché quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est sûr. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que je comprends, on se dit, ah, mais si j'avais quelqu'un, ça irait mieux. Mais si on n'est pas complètement. Voilà, mais tout, si, aussi, voilà, ouais. Tout à fait. Et si on n'est pas complètement à l'aise, ou qu'on se dit, oh là là, mais je ne veux pas imposer ça à quelqu'un, je ne suis pas bien. En fait, c'est comme si les cartes, et mon ressenti aussi, vous disaient. Profitez de cette année 2024 et même début 2025 pour vous retaper, vous ressentir bien et pouvoir reprendre du poil de la bête. Et après, les choses arriveront sentimentalement. Ça dit oui, mais ce n'est pas le bon moment en tout cas pour l'instant. Voilà. Okay. D'accord, ok. Voilà. Oui, oui. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour? C'est pour la deuxième personne et tout, c'est pour un défunt. J'ai marqué le nom. Et c'est qui? Savoir s'il y a quelque chose. C'était un ami. Un ami. Savoir s'il y a quelque chose, quelque chose qu'il a à me dire ou. Soyons clairs, quand vous parlez d'amis, c'était quelque chose de sentimental ou c'était ami-ami comme ça? Oui. Oui, sentimental. Non, c'était sentimental, oui. Et ça fait. Donc vous n'êtes plus ensemble en fait? En fait, il est décédé. Ah, pardon. J'avais pas compris. Pas de souci, non, pas de souci. Et c'est quoi que vous vouliez savoir? Ah, c'était un message ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un message, oui. D'accord, parce que je crois que c'était quelqu'un que vous étiez, voilà, plus ensemble, parce que j'ai pas eu... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Alors, Bernard, il est décédé quand? Il y a combien d'années? Ça fait 28 ans. Oh, alors c'est vieux, alors. 28 ans, d'accord. Oui. Oui. D'accord, Bernard. Alors, vous pensez à lui, fermez les yeux, vous pensez à lui comme vous l'avez connu et vous me dites quatre fois stop petit à petit que j'ai le temps de prendre les cartes. As-tu un message pour nous, Bernard? Stop. Donc, c'était quelqu'un de très proche, alors, en fait. Oui. D'accord. Alors, une deuxième stop. Fois. Stop. Deux. Troisième. Et une dernière fois. Stop. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre cher ami? Il vous dit... Bon, ça j'aime bien quand on nous dit ça. C'est magnifique là où je suis. Maintenant, je suis d'accord que si on peut éviter d'y aller tout de suite, c'est bien. Hein même si c'est magnifique. Oui, hein. Tout à fait. C'est tout magnifique là où je suis. Je veille sur toi tous les jours. Ça, c'est très, très joli, ça. Ça veut dire, vous savez, même s'il est décédé, vous dites, je ne sais pas combien il y a d'années, je ne sais plus, le temps... Pour eux, là-haut ne compte pas. Hein. Donc, pour nous, oui, les années passent, mais pas pour eux. Ensuite, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et puis, je suis entouré d'animaux aimants. Il aimait les animaux? Tout à fait, oui. Alors, c'est comme s'il avait retrouvé des animaux. Alors, je vous le relis en entier. C'est magnifique là où je suis. Je veille sur toi tous les jours. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu autrement. Et je suis entouré d'animaux aimants. Donc c'est très très joli. Et puis il veille sur vous, ça c'est très intéressant. Ce que je ressens de vous dire, si vous devez, pas si vous devez, si par hasard cette opération se fait, parce que peut-être qu'ils ne la font pas en dernière minute, s'il devait refaire cette opération en fin de semaine ou la semaine prochaine, demandez-lui qu'il vous aide à vous sortir de ce mauvais pas et que tout se règle définitivement, quand je dis définitivement, que vous soyez mieux par rapport à ça. Oui. Il va vous aider parce qu'il veille sur vous. Et moi, en même temps, d'accord. Je vous ferai le secret. Et par contre,
essayez de m'appeler un ou deux jours avant. Si on vous dit c'est lundi, essayez vendredi ou samedi. Oui, oui. Toujours un ou deux jours avant, il n'y a pas besoin de... Maintenant, c'est un petit peu trop vite, hein, voilà. Mais ça va aller. Et puis... Oui, parce que je ne sais pas et tout, quoi. Ouais, oui, ouais. Bah oui, non, parce qu'ils ne disent pas, voilà, ils disent pas deux semaines à l'avance, ils disent peut-être, voilà. Ouais, ouais. OK. Autre chose encore? Et si jamais je peux lui demander de l'aider et tout. Oui, absolument, absolument, il va le D'accord. faire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret pour cette hanche encore maintenant? Je peux le faire. Déjà, maintenant. Si vous voulez, oui. Oui, oui. Et puis, comme j'ai dit, on le refera volontiers avant l'opération. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous, pas à votre hanche. Pensez à vous de façon globale, comme si vous regardez devant une glace toujours. Et vous, et vous pensez à vous et au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je commencerai. Je suis prête. Je ne sais plus votre prénom. Ah oui, voilà, je l'ai retrouvé. C'est bon. Alors j'y vais, je commence. Voilà, c'est fait. Vous m'aviez bien dit la hanche droite, hein, c'est bien juste. Oui, tout voilà. à fait, oui. Alors, c'est tout bon. J'avais une hésitation, mais j'ai fait. OK, voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Bon courage. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Je vous dis pas bon séjour à l'hôpital, parce que des fois, parce que si on peut être à la maison, c'est mieux. Hein, mais bon, bon courage pour la semaine. Oui, tout à fait. Hein. Merci beaucoup. Tenez-nous c'est gentil. Au courant. Puis à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Ah oui, quand. Alors, une pensée, puisque, puisque la personne qui vient nous appeler est hospitalisée, une pensée pour tous les gens qui sont hospitalisés, petits, grands, enfants, personnes adultes, personnes âgées, personnes en fin de vie. Voilà, c'est jamais. C'est souvent des moments difficiles. Alors, une pensée vraiment très, très, très émue de l'équipe ici, de moi-même et de tous les gens vaillants et bien portants qui sont devant leur écran. Parce que, encore une fois, comme disait quelqu'un de ma famille, le bien le plus important qu'on a, c'est la santé. Effectivement, c'est la santé, c'est pas l'argent. C'est pas le sexe, c'est pas voilà, c'est important aussi, mais le plus important c'est la santé. Et puis effectivement, quand on a ça, on peut tout faire. Quand on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Même si on est riche à milliards, on peut rien faire effectivement. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô, bonsoir. Ah, alors, petit souci, on m'annonce quelqu'un, mais je n'entends personne. Allô? Je pense qu'il y a une perte d'appel, on va nous rappeler certainement. Ou on me refera sonner quand la personne sera vraiment là. Voilà, donc je disais, le capital santé, c'est le meilleur capital qu'on peut avoir. Ce ne sont ni les bateaux, ni les maisons, ni les fortunes, ni les milliards. Quelqu'un qui a tous les milliards du monde donnerait tout pour avoir la santé s'il ne l'a pas. Et c'est vrai. Donc, il faut y penser. Oui, allô, bonsoir.
Allô? Allô, allô? Coucou. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Problemos. Y a personos. Allô? Décidément, il y a des problèmes de ligne ou il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on continuera d'attendre. Et je reprends mon explication. Donc, je disais, tout l'or du monde et toute la fortune du monde ne valent pas la santé. Si on a la santé, on peut tout faire, on peut sortir, on peut aller jouer, on peut aller danser, on peut aller manger, on peut faire le tour du monde quand tout va bien. Si on est au fond d'un lit, complètement, qu'on ne peut plus bouger, grabataire ou complètement paralysé, ben on ne peut rien faire. Même si le compte en banque, il y a des millions ou des milliards, ça ne va rien. Le jour où on part, tout reste là. Donc voilà, comme disait je ne sais plus qui, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Donc moi, je suis plutôt d'instinct, enfin d'instinct, je suis plutôt pas d'instinct, mais d'avis qu'il faut profiter, même si on a un peu d'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter par la fenêtre et tout dilapider, parce que si on a des enfants, des petits-enfants, il faut mettre. Moi, je dirais, moi, si j'avais beaucoup d'argent, je mettrais paf, une bonne partie, ça sera pour eux, mais ça, c'est pour moi. Je vais en profiter, je vais voyager, je vais manger, je vais m'acheter une petite maisonnette, une petite piscine. J'en profiterai un maximum. Parce que c'est quand on est vivant qu'il faut profiter des choses, c'est pas une fois qu'on est de l'autre côté, ou qu'on laisse une belle fortune aux autres qui disent « Ouais, chouette, le père ou le grand-père ou l'oncle, il nous a laissé, waouh, plein de trucs. » Allô? Bonsoir. Ah, vous êtes là? Oui, on a eu des petits soucis de communication. Mais vous êtes là, ma chère madame, parce que j'entendais personne. Mais oui, mais j'étais là, mais sinon il y avait comme le micro était coupé, ou je sais pas. Bon, on vous entend, maintenant je vous entends. Merci d'être là, ma chère. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui. Alors, je vais vous appeler Suzy. Voilà, Suzy. Suzy, D'accord. bienvenue à l'émission. Enfin, on se trouve. Voilà, on s'est parlé il n'y a pas longtemps, hein. Non, déjà, il y a, je crois, une semaine. C'est Vous avez possible. recommencé. C'est possible, alors je ne sais pas parce que Oui, je. vous vous souvenez plus, hein, ça fait une semaine où je vous ai demandé si j'avais retrouvé un travail et plein d'autres choses. Ah oui, d'accord. C'est vous qui êtes Voilà. Et moi, dans le oui. dans le médical ou bien? Non, non, moi, c'est moi qui avais un problème de santé. Vous savez, là, je vous ai demandé si j'allais bientôt retrouver un travail parce que je dois changer de travail, de réinsertion Ah, professionnelle, vous tout pouvez pas tralala, quoi. travailler debout, un truc. Vous devez être assis, c'est ça? Ah, Voilà, c'est voilà. ça. Il me faut du temps, mais Moi, ok. j'ai. Voilà. Ok, Moi, j'ai dites-moi. une question. À vrai dire, c'est une question, c'est que demain, j'ai un rendez-vous avec une institution et je voulais juste savoir si ça va bien se passer. D'accord. Alors, ne nous dites surtout pas le nom de l'institution, ça ne nous regarde pas, ça ne regarde personne. Mais juste nous dire, peut-être pour le ressenti, elle est où? À Lausanne, à Genève, à Fribourg, À Morges. à Morges. Et donc, ça serait un travail, vous pensez, qui pourrait être adapté? Non, ce ne sera pas un travail. C'est une. Comment dire? Ah! J'ai rendez-vous avec une personne qui va étudier mon dossier dans cette institution, vous savez. Pour une réinsertion, quelque chose comme ça? Voilà, si on veut, c'est avec des D'accord. lettres. Vous savez, c'est quand on est dans un truc de l'État et puis on nous envoie chez les autres pour trouver du travail. D'accord, j'ai compris. Des experts, ce sont des experts. On est d'accord. Voilà, si on Ce sont des experts d'une institution où il y a deux lettres. C'est bien juste, c'est ça? Non, voilà. Moi, je vais dans l'autre parce que là, une, c'est ceux qui nous payent, puis l'autre, c'est les autres qui nous aident à trouver du travail. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, chère madame, chère Suzy. 6. D'accord. Donc là, juste une question. Là où vous allez, vous n'avez jamais été encore?
Non, c'est mon premier rendez-vous. D'accord. Mais j'ai besoin d'un... Alors, encore une fois, ne nous donnez surtout pas le nom, mais c'est des spécialistes, c'est des médecins, c'est Non, des thérapeutes, c'est quoi? c'est comment je pourrais vous dire ça? Ah, c'est plus une conseillère. D'accord. Alors, Si vous voulez une d'accord. conseillère en placement, ça, D'accord. ouais, c'est voilà, c'est ça, ouais, c'est des conseillers, quoi. Ah, en placement, d'accord. Oui, D'accord, si on d'accord. veut, Alors en fait, parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, parce que ce que je dois vous demander, cette conseillère en placement comme ça, elle est quand même conseillée par des institutions comme l'AI ou des choses comme ça? Non. Non? C'est privé? Non. Non, c'est comment dire, l'AI, c'est autre chose. Oui? Là, c'est l'autre version, si vous voulez, c'est l'ORP, D'accord. pour abréviation. Voilà. Ok, alors ça c'est égal, parce que je voulais savoir un petit peu, parce qu'en fait ce que je vois, ce que je perçois dans les cartes, c'est que, attention, c'est bien qu'on essaye de vous réinsérer, mais il ne faut pas trop... faut dire ce qui est vrai, il ne faut pas dire, vous arrivez à tenir 4 heures debout, oui, paf, il faut, si c'est non, faut dire non, comment dirais-je, il faut un petit peu minimiser les choses, parce qu'en fait... Quelque part, je ressens que c'est pas qu'on essaye de vous coincer, c'est pas le bon mot, mais on va essayer de vous pousser en disant oui, mais madame, bon, ben, vous avez souci, mais vous arrivez quand même à faire ça. Puis des fois, on veut pas passer, excusez-moi pour moi que je dis oui, je devrais pouvoir y arriver. Non, je n'y arrive pas. Dites vraiment ce que vous sentez et dites pas ça pour leur faire plaisir. Parce qu'en fait, ces institutions ou ces gens qui veulent vous reconditionner, ils cherchent à vous payer de façon à ce qu'on soit moins payé par des institutions. Puis qu'on dise, oui, mais elle dit qu'elle ne peut pas tenir debout, mais elle peut quand même rester 2, 3 heures debout. Donc, elle arrive quand même. Donc, soyez pas trop, je ne sais pas si je m'explique bien, soyez pas trop conciliante. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Maintenant, si vraiment vous dites, moi, 2 heures, je peux rester debout. Bah, dites 2 heures, je peux rester debout. Plus, non, je peux pas. Ouais, mais 3 heures, non, je peux pas. N'allez pas dans leur sens pour leur faire, vous voyez ce que je voulais dire, pour leur faire plaisir. Ouais, bon, peut-être 3 aussi. Non, 2, c'est 2, Non, ou une, c'est une. En non. fait, parce que ce que je ressens, c'est ces gens qui essayent de vous placer ou de ou d'évaluer, essayent, et ça, je le sais depuis longtemps, hein, ce n'est pas les cartes qui me l'ont appris, mais je le sais, mais je le vois aussi dans les cartes, c'est pour ça que je vous dis attention. De ne pas vous faire coincer dans quelque chose, voilà, qui. Parce que des fois, je ne sais pas comment dire, j'essaie de trouver un exemple. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait été faire une réévaluation. Décidément, j'ai plus de voix, c'est la fin de l'émission. Avait été faire une réévaluation dans un endroit où c'était un atelier où je crois vous avez été. Et en fait, cette personne avait tellement, tellement mal au dos, parce que les autres, ils disaient, ils restaient assis, ils faisaient leur boulot. Et lui, il avait tellement mal, mais tellement mal, qu'à un moment, il s'était couché par terre. Puis les éducateurs, enfin, ou les gens qui étaient là, disent, mais vous faites quoi? Il me dit, mais j'en peux plus, je ne peux plus. Et ben, il a été tout de suite pris et puis mis à l'ail. Parce que quand on veut, parce qu'on est tous pareils, on ne veut pas passer pour ridicule. Ouais, bon, j'ai mal, mais j'y arrive, mais je tiens le coup, je serre les dents. Non, faites pas ça. Ça ne va pas. Ça, vous dites ce que vous pouvez faire. Et vous dites ce que vous ne pouvez pas faire. Et entre deux, ben, y a pas de, voilà, il n'y a rien. Voilà, moi, je sais ce que je vois. Mais, alors, la question était quand même, est-ce que ça va bien se passer? Oui, ça va bien se passer en gardant sous réserve que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez donner comme possibilité, ça va être noté. Ouais, parce que c'est vrai que quand j'ai fait cette réadaptation, plutôt cette évaluation et orientation professionnelle, ils ont plutôt vu que j'étais plutôt dans l'industrie, donc plutôt dans opératrice de production, mais dans une section où je suis assise. Je dois être dans un environnement plus sédentaire. Parce que rester debout, je ne peux pas. Ça, c'est Voilà. pas possible. Les Voilà. genoux qui gonflent, porter des choses où je ne peux plus. C'est plus, Voilà. vous voyez l'âge que j'ai un peu moins de force qu'avant. Donc,
voilà, donc je dois faire un travail plutôt assis, de pas rater de production, mais des choses où je peux monter des choses, mais en étant assis. Et ça, c'est vrai que ça, il faudrait bien que je lui explique que je ne peux pas rester debout. Exactement. Et même du statique, c'est une horreur. J'ai le genou qui gonfle, après j'ai des problèmes pour marcher, c'est fatigant. Donc là, pour citer qu'eux savent mon problème, donc ils vont aussi m'aider. D'accord. Maintenant, j'attends les rendez-vous. Mais là, c'est l'autre version, là où je dois aller quand on est dans l'autre... Tout à fait, vous comprenez. Comme on dit. Mm-hmm. Et puis, c'est mon premier rendez-vous avec cette conseillère, donc je dois lui amener plein de papiers. D'accord. Mais c'est vrai que je regarde les offres, ouais, et c'est très difficile. Allez-y avec la sincérité, la vérité. N'en faites pas plus, mais n'en faites pas moins non plus. Mmh. Voilà, vous dites, moi, je peux tenir assise une heure et demie, mais après, il faut que je me lève, il faut que je marche un peu. Mais par contre, si je dois rester une demi-heure, trois quarts d'heure debout, ça ne va pas. Vous le dites, et vous dites... Parce qu'encore une fois, les gens, on est tous pareils. Ils disent, ouais, bon, vous n'arriveriez pas à faire ça. Ouais, peut-être, mais je ne sais pas, il faut qu'on essaye. Non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et puis, parce que... Voilà, ils essayent quand même de peut-être de trouver, voilà, parce que, je sais pas comment dire, ils essayent de peut-être pas de minimiser parce qu'ils savent que les gens ont mal, etc. Mais vous savez, il y a beaucoup beaucoup de gens, alors et ça je le comprends aussi, qui ont exagéré leur mal. Hein, pas vous, hein, je parle pas de vous, mais il y a des gens des fois que ils pourraient rester trois heures debout, mais ils disent je peux pas rester plus qu'une demi-heure, alors qu'ils pourraient. Donc ça sert à rien de mentir, mais il faut pas non plus vouloir aller dans leur sens en disant ouais bon moi je peux rester deux heures mais je pourrais peut-être essayer trois ou quatre. Non, deux c'est deux ou une heure et demie c'est une heure et demie. Je ne peux pas, après j'ai mon genou qui gonfle et si vous y allez comme ça, ça va bien se passer. Voilà. D'accord. Ouais, c'est vrai que j'ai fait l'expérience avec mon ancien travail. Crescendo, à la fin, je faisais 6 heures avec une demi-heure de pause. Mais je ne vous dis pas l'état du genou à la fin des 6 heures. Je ne pouvais plus descendre des escaliers. J'arrivais pas à marcher vite parce que des fois, il faut marcher vite. Et porter des choses lourdes, c'était devenu un peu difficile aussi. Donc voilà, il fallait juste qu'on retrouve un petit peu un système. Et c'est vrai qu'il faut un travail plutôt sédentaire. Et là, vous étiez assise ou debout quand vous faisiez ce travail ? Debout toute la journée. Normalement, c'était un travail debout toute la journée. Non, mais voilà, donc vous pouvez à faire pas. À faire de la mise en place de marchandises dans les magasins tout en servant les clients. Vous voyez bon. Et puis, c'était pas des petits trajets qu'on faisait pour aller chercher la marchandise. J'imagine. Et puis même, des fois, je devais tirer des transpalettes, des choses hyper lourdes. Ah, et on est des nanas, quoi. Non, mais ça, il faut arrêter ça. Il faut chacun son travail et puis ce que vous pouvez pas, vous faites pas. Il faut surtout pas... Parce qu'encore une fois, moi, j'ai connu une personne qui a voulu forcer. Puis après, on l'a remis à un travail, puis il n'a pas tenu. Donc ça ne sert à rien. Mmh. Je vais être obligé de vous laisser parce qu'il est 21h55 et 40 secondes. Oui. Désolé que ça n'a pas marché au début, mais on se retrouvera, on s'est déjà appelé plusieurs fois. Vous allez demain, vous dites. Oui, demain. Alors, je vous envoie toutes les forces et toutes les bonnes énergies pour que ça aille. Ça va aller. Soyez vous-même. Soyez vous-même et vous nous tiendrez au courant. D'accord, ma chère. D'accord. À bientôt. Merci. Belle soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est vrai que plus on donne, et on vous donne ça, puis on vous prend le bras. Donc il faut donner l'ongle pour qu'on vous prenne le doigt, puis comme ça, ça va. Je connais trop ces choses-là. Pas pour moi, hein, pour d'autres personnes à qui c'est arrivé, qui disent oui, ça va aller, puis après ça ne va pas. Donc voilà. Bon, oh là là, ça a vite passé. J'ai rien vu passer de cette belle émission. En tout cas, je vous remercie toutes et tous, pour votre gentillesse, pour votre confiance à cette émission, à moi-même, à toute l'équipe. Je remercie aussi la production, le téléphoniste et la personne à la régie. Je vous souhaite d'ores et déjà, une très 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 belle fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, bien sûr, et tout ira bien. Belle nuit. À la prochaine et faites de beaux rêves. À tout bientôt. Au revoir.